une dictée à présent. Une fois que tu as bien compris l'histoire de l'alpha, du serpent qui n'a peur de rien, sauf quand il est entre deux voyelles, de deux alphas de la famille des voyelles, tu dois avoir bien lu les fiches, les feuilles les pages du livre. Et maintenant, tu vas pouvoir faire la dictée. Si je vais trop vite, tu peux bien sûr faire des pauses. Petit motif une. Plus loin, case avec le z de valise. Le z de valise, c'est celui qu'on vient de voir. Il s'écrit donc avec la lettre S. Je répète, numéro 1, une case. Numéro 2, petit motif 1. 1, plus loin, vase. Toujours avec le z de valise, un vase. Numéro 3, petit motif là, plus loin, rose, la rose. Quatre, un. Oiseau. C'est un oiseau, mais quand on l'écrit, quand on le dit, on dit un oiseau, on fait la liaison, mais quand on écrit un oiseau. Avec le z de valise, le o de chapeau. C'était le numéro 4. Numéro 5. Numéro 5, là, petit motif là. Fusée. 5, la fusée avec le z de valise et à la fin un e muet. Là, plus loin, fusée. Numéro 6, la pelouse. La pelouse. Numéro 7, non, c'était numéro 6, pardon. Non, le 7. Ensuite, là, petit motif là, maison avec le e de l. Est-ce qu'on se souvient comment on écrit le e de l? Il s'écrit AI, la maison, toujours avec le z de valise. Ensuite, une chaise. Une, plus loin, chaise. Avec le E de L, toujours. Le E de L. Une chaise et le Z de valise. Une chaise. Numéro 9. Une. Plus loin, fraise avec le e de l, le z de valise, une fraise. Un dernier mot, un petit motif, un plus loin, malaise, un malaise avec le e de l, le z de valise. On va corriger ensemble. Donc le premier mot, c'était une case. Numéro 2, un vase. Numéro 3, la rose. Numéro 4, un oiseau. Avec le haut de chapeau, EAU. Ensuite, la fusée.
On n'a pas oublié le E muet, comme j'avais dit. 6. La pelouse. La maison. Une chaise. Une fraise avec tous ces mots avec des et de L et un malaise. Voilà. Est-ce que tu as réussi cette dictée? Je te laisse vérifier. Et tu peux me dire quand tu as fait la dictée, combien tu as fait de fautes, qu'est-ce qui a été difficile. N'hésite pas à m'envoyer des messages.